Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, vous allez me dire enfin, on se retrouve pour faire une vidéo. Cette fois-ci, le soir. Alors, il y a les filles qui sont juste là. Là, il y a Clara. Alors à mon avis, je pense que vous l'avez très rarement vue avec cette tenue. C'est une tenue, en fait, c'est un body avec des cœurs roses. Et un body blanc avec des cœurs roses et un pantalon blanc tout simple, qui est normalement à Maëlys, mais là, comme ça allait bien avec, et comme elles font à peu près la même taille, et ben j'ai mis ça. Et Maëlys, elle porte une tenue comme ça, avec des petites lettres, avec des petits points. Une jolie tenue rose, avec un joli petit bonnet rayé. Blanc et rose rayé. Et ce soir, on va manger des spaghettis bolognaises. Non, vous ne rêvez pas. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté exprès pour ce soir. Tadam! Des spaghettis bolognaises. Voilà. Et oui, vous rêvez pas. J'ai acheté ça exprès pour elle. Alors, pour les deux, ça suffit largement un petit pot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir déjà un petit pot. Et après, bien sûr, on fera la toilette du soir, hein, je les mettrai en pyjama. On va déjà commencer par faire chauffer ça. C'est parti, j'ouvre ça tout de suite avec vous. Là, j'ai de l'eau pour après, pendant le repas. Voilà comment ça se représente. J'ai l'emballage juste à côté que je vais jeter dans la poubelle qui est là-bas. Donc, je vais le mettre chauffer au micro-ondes. Je vais peut-être enlever le truc là. Voilà en quoi ça représente, en à quoi ça ressemble pour ceux qui veulent savoir. Voilà à quoi ça ressemble. En vrai, je trouve que ça a la même odeur que les lasagnes. Vraiment. C'est dommage que vous pouviez pas sentir, hein, vous les abonnés, hein. C'est parti, je ferme le micro-ondes. Maintenant, je mets sur start. Attends, comment ça se fait que ça se met pas en route? Ah si, j'ai eu peur, j'ai cru que mon micro-ondes il fonctionnait plus. Alors là, on était bien embêtés, hein, pour le coup, hein. Je crois que ça a sonné, donc on va sortir ça. Bon, alors c'est bien chaud, effectivement. Donc maintenant, je la porte là-bas. Maman, il nous faut une cuillère à nous deux. Ah oui, c'est vrai, je vais en chercher. Déjà, je vous mets un bavoir parce que ça, c'est quand même de la sauce tomate, mine de rien, et ça tâche, hein. Excuse-moi pour la qualité, par contre, si elle n'est pas terrible par moment. Vous êtes prêtes à manger, les filles? Ouais, merci, maman, ça a l'air trop bon. Pourtant, c'est du vite fait, hein, mais vous aimez ça, hein. Un conseil quand même pour les petits pots, même si ça, c'est bien, les petits pots pour bébé, je vous conseille quand même de les faire vous-même. Là, j'ai pris ça comme ça, mais je vous conseille quand même de les faire vous-même pour un vrai bébé, parce que c'est fait maison, du coup c'est mieux. Donc voilà, parce qu'on sait jamais quand même ce qu'ils mettent dedans, hein, dans les petits pots pour bébé. Hein. Maintenant que je vous ai donné vos cuillères, régalez-vous les filles, bon appétit! Bon appétit maman! Je mangerai après moi. C'est délicieux ça! Maintenant tu goûtes aussi Maëlys, tu vas voir, tu vas aimer. Allez, tiens, choupette. C'est bon? Voilà les filles, vous en avez mis partout. Je suis partie aux toilettes 2 minutes. Et vous avez déjà presque terminé. Il nous en reste plus beaucoup, mais on cale. Bon, bah laissez au pire, vous avez bien mangé. Je crois que je vais devoir utiliser des lingettes pour vous nettoyer la bouche, hein. Eh ben, dis donc, vous vous êtes régalés. Ouais. Allez. En tout cas, c'était bon. Alors, mademoiselle Maëlys. Clara, je crois que tu vas te faire disputer, t'en as plein ton pantalon. Oh! Ton pantalon blanc! C'était mon pantalon en plus! Oh! Oh, c'est pas possible, Oh, Clara, tu peux pas faire attention, sérieux! Le pantalon de ta sœur, quoi! Oh non, hein, t'exagères! Excuse-moi, maman. Non, mais t'exagères, quoi! Bon, bah maintenant, je vais le jeter à la poubelle, ça, tant pis. Hein. Quand même, le pantalon tout neuf! Oh là 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 là, encore pire. Moi, bah dis donc, tu vas me nettoyer ça, hein. Heureusement qu'il y avait les bavoirs, hein.
Il y en a même par terre. Heureusement que j'ai des lingettes pour bébé. En tout cas, ton pantalon et vos bavoirs sont bons à laver. Mais bon, c'est pas grave, hein, les bavoirs, c'est fait pour ça. Mais bon, ton pantalon, le pantalon de ta sœur, quand même, t'aurais pu faire attention. Oui, j'avoue. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous en aurez fait, hein. Maintenant, vous allez aller vous laver. Comme vous avez pris une douche ce matin et qu'on est en vacances scolaires, et comme je travaillais pas aujourd'hui, vous avez pu prendre votre douche. Donc, du coup, ce qu'on va faire là, c'est que je vais juste vous laver le corps avec la lingette pour bébé, et après, je vous mettrai un pyjama. Et après, ce sera l'heure d'aller au lit. On peut commencer par moi, maman? Bon, d'accord. Allez, sur la table allongée. On va t'enlever ton bonnet. Voilà, comme ça. Ensuite, ta tenue. On va te retourner pour enlever le scratch. C'est bon? Oui, attends, c'est bon, Maëlys. Vos vêtements à vous, ils sont propres. Alors, je les ai mis là et vous les remettrez demain. Maintenant, on prend une lingette et on va utiliser cette lingette pour te laver le corps. Alors, je fais d'abord le corps et après on fait la partie intime. Toujours comme ça. Les bras. Là, j'ai fait le ventre. Un coup sur le visage aussi. Les pieds, bien sûr. Maintenant, on fait la partie intime. Et voilà. Maintenant, je mets ça à la poubelle et on te met en pyjama. Alors, c'est un pyjama comme ça qu'elle a, ma puce. C'est un pyjama avec une souris qu'elle a depuis qu'elle est bébé, presque. C'était une copine qui nous l'avait offert. D'ailleurs, si tu passes par là, je pense que tu sais que la personne sait à qui je m'adresse. Si tu passes par là, Oriana, parce qu'elle s'appelle Oriana, merci encore beaucoup pour ce pyjama, parce que c'est elle qui nous l'avait offert. Donc, c'est très gentil de sa part. Donc, maintenant, je vais lui mettre. Et voilà le pyjama de mademoiselle Maëlys. Elle est très jolie dedans. Maintenant, on passe à ta sœur. Tu veux prendre un pop-it en attendant? Oui. La licorne. Là, voilà. Merci. Allez, à toi, Clara. D'accord. Bon, alors toi, on peut mettre direct le pantalon au lavage, hein. Aïe, 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 aïe. Ah, ça sent pas bon, Clara. Excuse-moi, j'ai fait dans ma couche. Ah, on va te changer aussi, hein. C'est parti, je vais direct t'enlever cette couche. Alors. Ah, effectivement, elle est toute sale. Eh ben, dis donc. Allez, hop, on enlève ça. Voilà. Maintenant, je la mets là. Alors, cette fois, par contre, j'ai pris deux lingettes. Une pour le derrière et une autre pour le reste du corps. Parce que, question d'hygiène, quoi. Maintenant, on peut faire le reste de ton corps. Et après, je te mettrai une couche pour la nuit, évidemment. Les bras, les mains. Et voilà, c'est bon. Je vais prendre une couche de chez Baby Dry, exprès pour la nuit. C'est Pampers. Normalement, c'est les mieux. C'est celle-là. Donc, c'est parti. Alors là, j'ai posé mon téléphone. J'espère que vous voyez bien. Et je vais vous filmer quand je mets sa couche. Alors, je vais essayer de la laisser comme ça. Je vais prendre la couche. Ah, hein, Clara? Oui, maman. Voilà. Je vais faire comme ça. Que ce soit pas trop serré quand même. Que ça lui fasse pas mal. Là, je vais prendre le scratch. Je ne sais vraiment pas si vous voyez bien. Là, je ne sais pas. À mon avis, vous me voyez. Je ne sais pas. Et après, je fais ça. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est tout. C'est tout bon. Maintenant, vous avez vu comment j'ai fait. Du moins, j'espère que j'ai bien filmé.